Elle était mobile, jumeau de 2 mois, en écharpe lin et coton. Les frères Charlie et Elliot souhaitent faire démonstration de portage des jumeaux en écharpe lin et coton à hauteur des tétés. Le meilleur soutien pour les bébés et pour le dos de l'adulte en écharpe de portage, au moins pour les bébés de 10 kg au plus, est une écharpe de 100% coton ou un mélange de lin et coton. Cette dernière offre un optimal soutien de l'enfant et le dos de l'adulte, tout en étant suffisamment légère pour la chaleur d'été. Ici, une écharpe 6 mètres, faite sur mesure, pour moi, de la marque Melly Melou, d'un mélange de 55% lin et 45% coton, à moins de 60 euros. On ne peut pas faire le nœud par avance dans une écharpe qui n'est pas stretch. Donc, la technique de mise en place est différente de celle d'une écharpe stretch, même si le nœud est plus ou moins le même. Le début du nœud est le même que pour une écharpe stretch. Avec l'écharpe pliée en largeur ou pas, selon votre confort, en tenant que les bords supérieurs de l'écharpe dans les mains, on fait une pagne devant la taille. Croisez dans le dos, remontez les pans de tissu par-dessus les épaules, étalez les pans de tissu qui croisent dans le dos et assurez que les bords extérieurs sont remontés sur les épaules. On éloigne un peu le pagne, vérifie que le milieu de l'écharpe qui est marqué est centré, vérifie que le bord supérieur du pagne est vers le haut et on est prêt à commencer. Pour les raisons de pratique et sécurité, on commence assis, à même le sol. Et oui, on n'est plus très glamour quand on devient maman. On se muscle, mais glamour n'est plus vraiment notre priorité. L'idée est de pouvoir prendre le deuxième bébé sans prendre le risque que l'enfant déjà dans l'écharpe glisse. Assis, mon avant-bras peut caler l'enfant déjà installé entre ma jambe et mon avant-bras. Les deux bébés sont en sécurité. Je prends Charlie d'abord, je le mets sur mon épaule et remonte le pagne pour que ses deux pieds passent de l'autre côté. Je l'installe sur ma hanche et serre le pagne un peu, en levant le pan de tissu qui est par-dessus mon épaule. Je cale le bord inférieur sous ses fesses pour assurer qu'il ne glissera pas. Si le pagne est correctement serré, il ne ballottera pas non plus. Je cale Charlie dans le creux de mon avant-bras, de son côté, et je penche en avant pour prendre Elliot, tout en assurant que Charlie est bien calé dans le pagne. Je prends Elliot sur mon épaule et je monte le pagne jusqu'à ce que ses pieds soient passés de l'autre côté. J'assure que ses pieds sont vraiment passés avec ma main de son côté. De l'autre côté, la tête de Charlie est toujours maintenue par mon avant-bras. J'assois Elliot sur ma jambe et assure que le bord inférieur du pagne est remonté sous ses fesses. Ainsi, l'écharpe le maintient par son propre poids. Chaque fois que j'ajuste l'écharpe, j'assure que leurs têtes sont soutenues, soit par ma main, soit par mon avant-bras, et j'assure qu'ils ne glisseront pas en remontant le bord inférieur du pagne sous leurs fesses. Le pagne est suffisamment serré pour qu'ils ne peuvent pas glisser ni ballotter. Je serre un peu le pagne en levant le pan de tissu qui vient de par-dessus mon épaule. J'étale la largeur de l'écharpe en diagonale le long du dos d'Elliot en étalant toute la largeur de l'écharpe d'un bord à l'autre, d'un genou à l'autre. Je passe le bord supérieur sous le pied droit d'Elliot et les deux pieds de Charlie. Il faut faire très attention de ne pas écarter leurs genoux, car cela peut leur faire mal. Je dois me pencher un peu en arrière pour passer le bord supérieur sans écarter leurs petits genoux. Le bord supérieur passé sous leurs pieds, je rassemble les tissus centimètre par centimètre en le tendant. Une fois tous les tissus rassemblés dans ma main, je tire sur le bord inférieur jusqu'il monte sous les corps d'Elliot et Charlie. Si le pagne et le pan de tissu qui croisent sont correctement serrés, ils ne peuvent pas ballotter dans l'écharpe, car leurs corps sont plaqués contre les bords inférieurs du pagne et contre le bord inférieur du pan de tissu qui croise dans le dos. En revanche, leurs têtes peuvent basculer plus ou moins facilement, donc il est important à veiller à ce qu'ils ne se cognent pas, et les redresser de temps en temps. De plus, Charlie fait démonstration des tétés sur la tête de son frère. Pas facile à veiller sur tout en même temps, mais il est possible, et de plus en plus facile avec chaque mise en place. Je fais pareil du côté de Charlie. J'étale toute la largeur de l'écharpe dans le dos de Charlie, d'un genou à l'autre, et je passe le bord supérieur sous le pied gauche de Charlie et les deux pieds d'Elliot. Ah, j'ai raté le pied gauche de Charlie. Pff, pas efficace, Charlotte. Bon, j'ai réussi à passer le bord supérieur sous le pied gauche de Charlie. Heureusement, chaque étape est rattrapable. Pas besoin de tout recommencer. Je rassemble les tissus centimètre par centimètre en attendant et je tire sur le bord du bas jusqu'il remonte sous les corps des bébés.
Maintenant, les bords inférieurs sont vers le haut et les bords supérieurs sont vers le bas. Les bébés sont assis sur les bords inférieurs. Il reste à me lever pour faire la ceinture de soutien dans le dos et nouer l'écharpe. Je passe mes deux genoux devant moi, mes deux pieds du même côté, et avec l'aide de ma main, je me bascule en avant, je me mets à genoux et je me lève. Je vérifie que les bords inférieurs passent toujours sous les corps des bébés et que leurs cuisses sont soutenues par les tissus jusqu'aux commissures de leurs genoux. J'assure qu'ils sont assis avec leurs hanches basculées en avant. Je tire sur le bord supérieur afin d'assurer que leurs épaules sont bien soutenues. Le reste est facile. Je tends le tissu avec mes doigts. Je croise les deux pans de tissu dans mon dos en assurant que les bords ne baillent pas. Je me fais une large ceinture de soutien dans mon dos. Je reviens devant et je serre jusqu'à ce que je ressens un bon soutien dans mon dos. Je fais un double nœud plat sous les fesses des bébés. Pour faire un nœud plat, c'est très simple. Le tissu qui sort par le haut reste en haut. C'est ce morceau-là qui passe derrière et ressort par le cercle. Elliot veut toujours basculer vers le centre. Je le cale sous son pan de tissu, mais elle n'aime pas ça. Il voudra sûrement téter et je le déçois. Je ne suis pas sa maman. Je vais te rendre à ta maman très vite. Personne n'a dit qu'apprendre à porter des jumeaux en même temps est facile. Personne n'a dit qu'avoir deux en même temps est facile. Mais c'est possible. Et porter ses jumeaux, les deux en même temps, les allaiter en même temps, en étant mobile, rend la vie radicalement plus facile quand on est seul. Une fois qu'on est mobile et autonome, il reste le plus dur, devenir maman. Du point de vue des bébés, ils se trouvent dans des conditions très proches de celles qu'ils ont connues dans l'utérus depuis leur conception. Bien entendu, cette position pour un adulte ne sera pas l'idéal. Mais pour les bébés, ils se sentent en parfaite sécurité. Donc leur taux de cortisol, hormone de stress, reste presque constamment faible. Ce n'est que lorsqu'un bébé se trouve seul où son taux de cortisol monte. Ne pouvant pas se déplacer, ne pouvant pas savoir si sa mère va jamais revenir le chercher, un bébé est totalement dépendant des adultes. Pour les sortir de l'écharpe en sécurité, je ne défais pas l'écharpe. Je fais effet ficelle avec les deux pans de tissu qui croisent, baisse le pagne sous les fesses et bascule le bébé dans le creux de mon bras. Ensuite, pour qu'il n'ait pas l'impression que j'essaie d'arracher sa jambe, je pousse ses pieds avec mes doigts, sans tirer. J'écarte le pagne avec mon pouce. Une fois une jambe libérée, je fais la même chose de l'autre côté. Je rends Elliot à sa mère qui patiente. Pour récapituler, effet ficelle avec les pans de tissu qui croisent, baisser le pagne sous les fesses du bébé, j'appelle ce stade libérer bébé. Avec ma main sous ses fesses, je bascule bébé dans le creux de mon bras. Je pousse, pas tirer, les pieds avec les doigts, en écartant le tissu avec le pouce. Bascule bébé dans l'autre bras, en position berceau ou horizontale, et pousse le pied avec les doigts et écarte les tissus avec le pouce. Quelle capacité de communication ils ont ces bébés allaités et portés. Charlie se demande qui je peux bien être et qu'est-ce que c'est cette façon de parler.